Yo les potes, c'est Brassens, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Je vais vous montrer tous les nouveaux skins qui ont été trouvés et des skins qui sont encore là, etc. Alors le premier skin c'est celui-ci, il a été trouvé, donc c'est un petit skin soldat les nœuds. Le bonnet est un peu plus gros, sauf que par contre, tout ça c'est un pyjama mais vert. Donc voilà, nouveau skin ou peut-être une nouvelle custom pour le skin soldat les nœuds, on ne sait pas. Et le deuxième skin qu'on a trouvé dans la vidéo, c'est celui-ci. C'est un peu flou, mais c'est normal. Donc c'est exactement le même, j'ai l'impression, sauf qu'il est rouge. Donc voilà, le pyjama, il est rouge. Donc voilà. Donc la danse d'ailleurs qu'elle est en train de faire, elle est juste ici. Voilà, je vous la montrerai après. Alors ensuite, ceci, vous l'avez sûrement déjà vu. Apparemment. Ce seront les cadeaux, les deux skins cadeaux pour le dernier cadeau, donc le gros cadeau qu'on ne peut pas ouvrir. Donc soit on aura les deux gratuitement, soit un des deux, aléatoirement. Donc je ne sais pas. En tout cas, les deux sont cool, mais je préfère quand même le mammouth. Donc voilà, normalement ils seront gratuits, mais sinon ce sera sûrement 1500 V-Bucks ou 1200. Ensuite, le petit pack. Donc vous connaissiez sûrement le pack avec les trois skins à droite. Donc poiscaille glacée. Soldat les nœuds glacés et le monstre de l'événement avec en sac à dos Polar Peak. Et ben il y a aussi une danse donc où le monstre il va grogner, mais c'est une danse intégrée dans le skin. Et récemment ils ont ajouté le skin lutin dans le pack, donc soit pour que le pack se vende plus, ou soit juste pour ne pas mettre le lutin dans la boutique et seulement dans le pack, pour que comme ça les gens dépensent plein d'argent juste pour le lutin, donc 20 ou 30 euros. Donc voilà, il sera en version classique, en version minty. Ils ont rajouté un petit sac à dos au lutin récemment, un bouclier, un cadeau avec des petits sucres d'orge. Version normale, version minty. Alors ensuite, le pack annuel, 7800 V-Bucks, où il y aura donc le pass annuel 2020, avec tous les packs de combat à venir en 2020 dans Fortnite Battle Royale, et aussi 7 objets exclusifs. Donc les packs déverrouilleront instantanément 25% du pass de combat. Donc. Ça parle de passe de combat, de passe annuel, de pack de combat, donc on ne sait pas exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici on peut voir 4 paliers, donc 4 passes de combat. Là, c'est la pioche de ce skin qui est déjà sorti dans la boutique, comme le sac à dos ici. Ça, c'est le nouveau skin qui va avec le petit sac à dos ici. Là, les custom pour ce skin et ce skin avec le petit lama ici. Donc, le lama et la pioche et le bouclier sont déjà sortis dans la boutique, donc vous gagnerez des V-Bucks en plus. Ensuite, ça, c'est la danse de Star Wars qui va bientôt sortir dans la boutique. Une danse où, en gros, c'est la force. Donc, il va, voilà, il va contrôler la force avec sa main, voilà. Ensuite, ça, un petit planeur Star Wars. Il me semble que c'est dans les premiers Star Wars quand ils font la course. Je suis pas du tout sûr. Mais voilà, un petit planeur sympa. La pioche, également. C'est pas un sabre laser, malheureusement. Mais voilà, c'est une petite pioche Star Wars, encore une fois. Ensuite, le petit sac à dos là, c'est 2020, donc il y aura sûrement un événement pour 2020, même si dans les cadeaux, dans les 14 cadeaux, j'ai fait des vidéos, il y a, il me semble, ouais, un revêtement, un camouflage d'armes avec 2020. Donc ils auraient pas dû le mettre dans les 14 cadeaux, je pense, parce que bah on n'est pas en 2020, il y en a qui l'ont déjà. Mais bon, voilà, il y a un petit skateboard qu'on peut pas encore avoir. Ensuite, une musique de Battle Breaker. Je sais pas si ils vont la mettre gratuite pour ceux qui y jouent ou payante. Mais voilà. Sinon, ça sera 300 V-Bucks. Ensuite, le skin Razor. Il est toujours dans les fichiers du jeu boutique. Donc, je sais pas s'il va sortir un jour. Mais sur Sauver le Monde, vous pouvez l'avoir si vous êtes niveau 20. Donc, ensuite, le sac à dos. Qu'on ne peut pas avoir sur Sauver le Monde car il n'y a pas de sac à dos. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont pas encore enlevé. Il sera sûrement payant. Ensuite, ce skin-là, vous pouvez le débloquer en Sauver le Monde. Et. Aussi, c'est un skin Battle Breaker. Il faut être niveau 50 pour le débloquer en Sauver le Monde. Et est-ce que ceux qui débloqueront ce skin et le skin Razor en Sauver le Monde auront, bah, les auront gratuitement en Battle Royale? Je pense sûrement. Ça, c'est son petit sac à dos. Normalement, c'est presque sûr. On va finir avec le petit planeur là, qui est pas dans les 14 cadeaux. Il ressemble, mais c'est pas du tout le même. L'autre, c'est un arbre. Donc il sera soit payant à 500 V-Bucks, soit on pourra l'offrir aux amis, je ne sais pas, peut-être l'offrir. Mais voilà. Et pour finir, la petite danse, voilà, je vais peut-être regarder avec vous. Hop.
Et pour terminer la vidéo, on va se regarder la petite musique Battle Breaker. Si des personnes sont restées jusque-là, mettez un petit commentaire, vous marquez je suis resté jusqu'à la fin. Et pour finir, vite fait, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans les fichiers du jeu, vite fait, que je ne vous ai pas montré parce que je trouvais que c'était pas intéressant. Donc là, il y a le pack, les trucs Star Wars, la bannière qu'on a gratuitement, il me semble. Si on l'a pas gratuitement, elle va bientôt arriver. Le petit skin qui fait ultra longtemps qu'il est là. Ça, c'est le pass annuel. Ça devrait bientôt arriver avec un mode de jeu. Ça, je vous en ai parlé. Ça, c'est le sac. Ça ira avec le skin ours, mais voilà, vous le connaissez déjà, je pense. Le skin démon ici, le skin sucre-doche qui est déjà sorti, il me semble. La pioche de Gemini, je sais pas ce qu'elle fait là. Un nouveau skin, la petite danse Around the Clock, du casse-noisette, mais à 500 V-Bucks. Une petite pioche avec deux customs. Le petit camouflage passe annuel, le petit skin pareil. Ça devrait être sûrement gratuit ou avec des défis. Ensuite, un petit camouflage, la danse. Ça va avec ce skin, normalement. Ça, c'est un autre lutin, comme avant. Le petit renne, voilà, je vous montre vite fait, une danse. Des petites pioches, ça ira avec le pack de l'ours. Le petit skin comme ça, on a déjà eu une petite bannière avec. Petit revêtement, son sac à dos. Le ninja, ça fait très longtemps qu'il est là. Une petite danse ring. La pioche. Là, c'est une danse où on crée un bonhomme de neige. Un skin un petit peu stylé en mode manga animé, une petite danse, un revêtement, voilà, un petit skin, des petites pioches, encore là, la petite danse de distrait, le petit revêtement qui est gratuit, il me semble, les pioches encore, voilà, vous regardez, ça doit faire 2 ans qu'il est là, celui-là, il n'est toujours pas sorti, et voilà, ça aussi, ça fait longtemps qu'il est là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et je vous dis à plus, allez, ciao tout le monde! N'oubliez pas ce skin. Peace.